Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui touche au coloriage. Alors, j'ai commencé un coloriage dans le Disney Vitro. Alors, j'en ai déjà fait un que je vais vous montrer. Mais comme c'était le premier que je faisais, j'ai fait Blanche-Neige. On ne le voit pas entièrement, hein, mais je vous le montrerai mieux quand je ferai la vidéo sur mes coloriages terminés. Bon, c'est le premier que je fais, que j'ai fait, donc c'est pas... J'ai encore besoin de pratique. Et j'ai commencé celui-ci. J'ai commencé celui-ci. Voilà. Alors, j'ai fait la moitié là du vitrail. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo pour montrer comment j'ai fait. Je vais faire l'autre moitié du vitrail devant vous. Voilà. Je vais me placer comme ça. Voilà. Alors, pour faire mes vitraux, j'ai utilisé des crayons aquarellables Carandash. J'ai pris deux crayons. J'ai pris un violet. Alors, je ne peux pas vous donner les numéros ni les noms parce qu'il n'y en a pas. Hein. Et un rose pâle. Voilà. Alors, je vais protéger à côté. Bien protégé. Et là, je vais commencer avec mon violet que je vais tailler un petit peu à faire tous les angles des vitraux. Alors, évidemment, je mettrai une partie en accéléré, bien sûr, sinon ça va être trop long. Ben là, je me suis trompée, ça commence bien. Parce que ça, c'est pas un vitrail, c'est la patte du cheval. Mais c'est pas grave, je recommence. Alors, je mets le plus foncé dans tous les angles, en faisant attention de ne pas reproduire la même erreur. Voilà. Je vais peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Rapprocher un petit peu. Je mets dans tous les angles. Parce qu'il faut que les angles soient bien plus foncés. Thank you.
vérifier que j'en ai pas oublié. Non, je pense que c'est bon. Au pire, hein, de toute façon, si j'en ai oublié. Alors maintenant, je vais mettre le rose. Pardon. Je vais mettre le rose. Baisser un peu. Voilà, j'en mets pas beaucoup. Je n'en mets pas beaucoup. Je mets une petite touche de rose à côté du mauve. Maintenant que j'ai fait ça, alors évidemment, je prends mon sopalin, mon papier essuie-tout, j'amorce mon pinceau et maintenant on va mélanger. Alors, moi j'ai fait de l'intérieur, je vais baisser un peu là. Voilà, je vais du rose parce que je veux pas. Alors, j'essuie mon pinceau s'il y a trop d'eau. Hein. Parce que je veux laisser du blanc, presque blanc au milieu. Et à chaque fois que je vais dans le violet, j'essuie mon pinceau avant de revenir vers le rose. Parce que je ne veux pas mettre du violet mauve au milieu. Alors, je commence par étaler un petit peu le rose pâle au milieu et après, je m'occupe du violet. Voilà, comme ça, je fais le milieu. J'essuie pour pas mettre du violet au milieu.
Alors, c'est la partie la plus longue, hein, forcément. Faut de la patience. Thank you.
Voilà. Voilà. Je vous montre le résultat terminé. Moi, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien le résultat. Pour un début, je trouve que c'est pas mal du tout. Bon, j'aime bien le résultat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo ben, vous aura plu. Et ben, comme ça, vous verrez que même quand on débute, ben, on peut faire des jolies choses. Hein. Moi, c'est le deuxième que je fais, là, de vitrail. Et bon, c'est pas mal. Hein. Faut pas avoir peur de tester, hein, surtout. Je vous encourage à essayer. Je sais qu'il y a des gens qui n'osent pas s'attaquer à des livres... à des beaux livres parce qu'elles ont peur de rater, mais il faut, hein, il faut se faire plaisir de toute façon. Je vous montrerai mon coloriage terminé dans la prochaine vidéo, mes coloriages terminés, évidemment. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.